Et salut à tous les amis, c'est TRD. Voilà, on est de retour dans Warhammer 40 000 Space Marines. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi ça a été si long avant d'avoir de nouveaux épisodes dans ce jeu, et bien tout simplement, voilà, je vous explique. J'ai eu de nombreux soucis suite à la mise à jour et l'installation de Windows 10. Beaucoup de problèmes de compatibilité. Mais bon, voilà, enfin, il y a une partie qui est maintenant résolue. Donc, on peut continuer notre let's play sur ce jeu. Une horde de peaux vertes va bientôt arriver du sud. Donc, on va atteindre, voilà, ben on atteint le bunker. On est toujours dans envers et contre tout. On doit avoir un rendez-vous, je ne sais même plus avec qui, mais enfin, bon. Allez, on avance. Ah, voilà. On va rencontrer le lieutenant en question. Et voilà, cinématique. Je reconnais un qui ferait bien son capteur. N'est-ce pas Spartacus? Second lieutenant Mira, du 203e régiment Cadien. Mira. Capitaine Titus, et comme elle est belle, ça fait Mirabelle. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi. Eh oui, c'est elle qui commande. À moins ça t'étonne? Que le commandant ne revienne d'autres tombes. Pour l'instant, il semble préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils? 2. Bon sang. J'en ai envoyé 10. Eh ben, regarde, ça fait 8 morts, hein. Si vous, quand on s'y va se battre. Ou qu'on n'est pas un Space Marines. Allez, les amis. Vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos dépôts de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Eh oui. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferai mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. Sans blague. On n'avait pas remarqué, hein. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vu les épisodes 1 et 2, puisqu'on est déjà au troisième. Enfin, déjà, ou seulement au troisième. Alors, ici, qu'avons-nous? Saut de pureté, les amis. Bon, ben, on va le prendre, hein. Voilà, fureur débloquée. Cool ça. Alors, vous gagnez désormais de la fureur à chaque fois que vous infligez des dégâts à un ennemi. Ah ben c'est bien ça. Alors, une fois la jauge de fureur pleine, appuyez sur plus R pour passer en mode fureur. Ok, oui, d'accord, ok, ça va, on a compris. Que savez-vous des titans de cette planète? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Invictus, c'est un film sur Mandela pourtant. Nous devons atteindre ce titan. Bon. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. D'accord. Allez, allez en première ligne. Bon ça, on connaît les amis. Et quoi? Ah bon, c'est pas passé, quel con. Il y a des jours comme ça, franchement. Trouvez-moi le manuel. Coincé sur ce maudit monde fort, j'ai pas un seul technogure en vue. Ah, le beau canon, là. On peut pas utiliser le canon, non? Bon, bah, allez. Let's go en première ligne. Bon, j'ai toujours pas de munitions. Enfin, je suis à court. Qu'est-ce que... Des mineurs? Ah non, des peaux vertes. C'était trop beau. Ouais, viens ici avec Patronus. C'est déjà tout? Ah non, il y en a encore. J'ai déjà oublié comment on fait le mode fureur, les amis. Désolé, on va s'amuser à la tronçonneuse. Ça mange pas de pain. En plus, on a nos potes avec nous. Voilà. Ah ben le chemin est dégagé. Ouh, je vois des munitions là-bas, non? Intéressant ça. Ah, ramasser grenades et ramasser munitions. Voilà qui est intéressant. On va pouvoir reprendre son bolter. Où les autres? Ah, ils sont là. Ah, ouais. Oui, je sais, il faut aller par là. Je sais, ça va. C'est pas comme si je connaissais pas le jeu, hein. Alors, ici, il me semble que... Bon, allez, le chemin à l'air libre. Ah, 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 ah.
Oh, oh, bouge, j'ai une grenade, connard. Oh, mais... Ok, allez, viens. Oui, on t'a vu. Ouais, voilà. De quoi? Bon, mais t'as éclaté la tronche, moi. Voilà, vous pouvez m'appeler le t'éclater la tronche. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Regarde, on a un bel emplacement. Magnifique. Ah ben voilà, ah boum. Vite fait, bien fait. Heureusement qu'on a les copains. Mais c'est un peu le son du jeu dans mon casque parce que ça me bousille les oreilles. Ah, je vais finir par me croire comme dans le soldat Ryan. Avec des bourdonnements dans les oreilles. Allez, on continue. Hop là, hop, petite roulade. Il y en a encore d'autres. Ouais, et là, qu'est-ce qu'on a par là? On va un petit peu visiter parce que toujours parfois. Parfois on peut trouver des choses très intéressantes. En fouillant un petit peu les alentours. Bon, rien. Allez, hop, on continue. Eh ben on arrive en première ligne. Là, ce sera beau. On peut pas utiliser cette saleté là. Ah si, on pouvait l'utiliser avant pour que je fasse cette saleté. Ah tiens, petite grenade pour te booster. Voilà. Ah oui, je sais, dis quoi. Comment on fait ça? Bon, j'ai oublié les amis, c'est pas grave. On a autre chose à se préoccuper. Voilà. Allez, les grenades sont toujours là. Ça fait toujours plaisir. Hop, hop, rude. Et voilà, ça dégage. Oh bien, si mon pote se met dans le champ de tir, ça va pas aider. Alors, oui, on va. C'est pas ça. Ah ah. Voilà. Bolter lourd. Ah oui, arraché. Oh, oui, ok, bah. Pourquoi pas? Allez, hop, un petit bolter lourd. Voilà, bon, le problème les amis, c'est qu'il y a une histoire de refroidissement. Il a fallu le temps que je trouve la touche. Désolé, j'ai un peu rouillé. Hein. Tellement longtemps que j'ai pu jouer. Avec tous ces problèmes. Allez, hop. Bon, bolter lourd. Bon, on va aller retrouver les copains parce que là, il faut tout le boulot tout seul. Oui, je sais que c'est par là. Mais attends, j'ai fait un petit tour par ici. On ne sait jamais, un petit truc à récupérer, non? Rien pour pépère? Bon, ben tant pis, allez, on continue. Ah, mais avance un petit peu, mon gars, parce que. Ben, c'est vrai qu'avec un bolter lourd, on est tout de suite un petit peu plus lent. Hein. Pas de munitions, il n'y a rien, non? Oh, bon, tant pis. Allez, on continue, les amis. On n'en a pas fini. Cette saloperie de peau verte. Enfin, ça fait du bien pouvoir se remettre un peu à faire des vidéos. Avec tous ces problèmes de Windows 10 de merde, franchement, les amis. C'est pas que le Windows en lui-même ne fonctionne pas bien. Mais c'est qu'il m'a créé pas mal de soucis, surtout d'incompatibilité avec mes programmes. Allez hop, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Le Bolter Stalker. Intéressant. Alors, ah, mais c'est le sniper, il me semble. Bolter modifié, équipé d'un tracteur et de fusée haute précision, peut faire tomber des ennemis de très loin. Le bolter modèle Stalker peut être utilisé comme fusil d'assaut de précision ou arme de sniper. C'est bien ce que je disais. Magnifique. Yeah. Enfin, le sniper. Pour ceux qui me connaissent un peu mieux, vous savez que j'adore la furtivité et le snipe. C'est intéressant. Mais là qu'on est content. Bon, que 40 coups. Bon, faudra bien viser. Ah, une nouvelle cinématique. Ça s'enchaîne, les amis, ça s'enchaîne. C'est par là que les orques ont pu accéder au canon. Ah, bah oui, d'accord. On n'a pas été en mesure de franchir le mur. Ça, c'est con, hein. Fallait grimper, hein. Qu'une corde, ça marche, hein. Vous avez survécu tout ce temps seul, lieutenant. Ouais. C'est honorable.
Ouais. Mais vous n'êtes plus seul. Ou c'est chanceux. Nous allons reprendre le canon. Allez, on va reprendre le canon. Je compte sur vous, capitaine Titus. Mais oui, tu comptes sur moi, tu comptes sur n'importe quoi ce que tu veux, oui. Il faut des calculs si tu as cette chance. Allez, les amis, hop. Ah, des munitions, non, des munitions. Grenades, oui. Et munitions, magnifique. Alors, bah oui, vous allez, voilà, non. Il me semble que c'est pas là. Ah, oui, 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 oui. Hop, hop, hop. Il y a des petits copains ici, non? Coucou. Coucou, où êtes-vous? Bon, d'accord, je crois qu'il faut les agros. Sinon, ça ne marche pas. Il va plus loin, parce que... Ah! Ah, purée! Ah! Oh, quand même! Voilà! Oui, ah, pour faire une roulade au combat, on a compris aussi comment ça marche, c'est pas ça. Ouais. Bon, où sont les autres? Faire un petit peu de sniping, les amis. Alors, t'es où? T'es où, copain? T'es où? C'est le green. Ah, ah, ah. Ah oui, d'accord, je suis plus lourd. Alors, on vise bien. Et voilà. Non seulement j'ai été cherché, mais je t'ai trouvé, mon petit gars. Y'en a plus, c'est déjà tout. Ah, voilà, 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 voilà. Ouais, mais arrête de bouger. Arrête de bouger, je t'ai dit. Oh là 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 là. Ces orques, ils ont la bougeotte. Hein. Ah, ouais, je t'ai vu. Non, mais... Oh. Mais c'est pas bientôt fini, oui. Voilà. Oh là là, ils sont pénibles. Bon, on se met un petit peu à l'abri. Il y en a encore d'autres? Ou il faut encore les agros? Bon. Allez, il n'y a pas le choix. Je crois qu'il faut avancer. On aura quand même pu utiliser ce Bolter Stalker. Allez, hop. Cours, mon gars, cours. Ouais, excuse ma vie, on va changer d'arme. Alors, là-dessus, on va charger. Alors, t'es où, mon gamin? Au lieu de hurler comme un con, t'es où? Bon, ok, c'est pas allé par là. C'est que ce n'est point par là, les amis. Ah, je crois qu'il faut descendre par là. Allez, let's go! Voilà, sauvegarde en cours. On est sur le droit chemin, sur le bon chemin. Ouh, il y a encore des munitions là-bas. Ouh, allez, donne un pépère. Donne un pépère, voilà. C'est par là? Non, c'est pas par là. Bah non, là, je tourne en rond, là. Allez, hop, on reprend l'autre chemin. Allez, décidément, c'est grenade, et moi. Voilà, viens ici. Non mais, bon, merde, et je reprends l'autre arme. Faudrait que je lui fasse à essayer de faire des esquives et tout, parce que là, hop, oh, encore des munitions ou des grenades. Des grenades, ok. Ah, un petit message ici, oui. Voilà, donc, journal de champ de bataille. Second lieutenant Mira, d'accord, ben, c'est celle qu'on vient de rencontrer. Celle qui ferait bien plaisir à Spartacus, le gros obsédé. Ce cher panda, qui ne pense qu'à ça. Oui, ça arrive, je sais. Que voulez-vous? Oui, quoi. C'est bien de faire des rimes, mais encore faut-il arriver à viser ces orques. Ou ces gobelins. À défaut. Allez, on continue, on avance, on progresse dans ce jeu, parce qu'on va pas y passer 46 heures. Peut-être un peu plus. Bah tu vas crever. Ah quand même. Il y avait ça les amis. Bon d'ailleurs on va... Voilà. Allez on recherche. Et on va commencer la progression.
Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bon. Ouais. Ça va peut-être libérer un passage, je pense. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien du tout. Ah, voilà, il est ici. Ah non, j'ai mis un petit truc rouge. Hop, et voilà. Alors, on a un champ de vision sur quelque chose. Ouais, donc que dalle. Allez, on continue. Oula, 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 oula. Allez. À l'assaut. Oh, mais... frappe au pied et B pour exécuter. Oui, d'accord, ok. Bon, on s'en fiche. Vous êtes les copains. Oh. Une fois ces remparts franchis, nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Exactement. On va rentrer dans cette forteresse. Le coup, c'est par où faut-il passer? Ah, ben, visiblement, c'est pas par là. Allez les gars, montrez-moi le chemin parce que j'ai oublié mon GPS. Hein. Il y en a d'autres. Coucou. Ah, là-bas, je vois des munitions. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Allez! Dans ta gueule, connard! Crever, va. Bon, on va récupérer des munitions, je sais pas quelque part, j'ai vu. Ah ben voilà, là. Nous avons des grenades, oui d'accord, une grenade je suis full. On a droit qu'à 5 grenades, hein, les amis, donc ça ne sert à rien d'en prendre plus. Mais il faut aller par là, mais là je vois d'abord des munitions. Ça c'est intéressant. Allez, on a refait le plein, on continue. Avanti la musique. C'est pour les copains qui sont. Ah ah ah. Mais quoi, c'est pas le buté? C'est comme ça. Bon, ok, ça marche pas. Ça ne sert à rien de s'obstiner. C'est qu'il doit y avoir un autre moyen. Oui, on vous a vu arriver. On vous a vu de loin. Hop, une grenade. Un saut de paix. On recharge. Oui, 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 oui. Oh, très bien. Oui. Voilà. On a encore. Allez, viens. Viens prendre des pruneaux. Les pruneaux interdits, allez, viens, ils sont bons les pruneaux. Voilà. Les pruneaux avec ça, pour moi, tu vas en chier. Alors, qu'est-ce que tu putes cette saloperie? Un truc spécial. Ah d'accord, on va passer là. Allez, c'est activé. Ok, allez, on continue. Ouh, encore des mines. Ah, toujours bien d'avoir le plein de munitions. Allez, on continue notre petite aventure. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Oh, d'accord, c'est des gants. Regardez ces câbles. Ils doivent alimenter les machines orques à l'autre bout du champ de bataille. Ouais, 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 ouais. Des câbles. C'est juste une question d'être branché, les gars. Quand vous êtes au courant, vous êtes resté branché. Ne faites pas comme Claude François, évidemment. Hop, on va, qu'est-ce qu'on va récolter? Des modules de soutien d'assaut ont été larqués dans cette zone. Ah, ramasser réacteur dorsal, les amis. Souvenez-vous dans le premier épisode. Voilà un équipement qui valait le coup. Alors. Maintenez quoi? Maintenez 1. Donc maintenez 1 pour lancer la réacteur dorsal. En vol, appuyez sur X pour vous abattre sur le sol dans un choc
retentissant qui tuera ou assommera la plupart des cibles ennemies. Les armes à distance sont limitées aux pistolets bolteurs et aux bolts lorsque vous portez le réacteur dorsal. Ok les amis, ben voilà, regardez-moi ça, quelle allure on a là. Voilà, je crois qu'on va prendre son pied, on va s'envoler dans les airs. Vers l'infini et au-delà. Ok, allez, hôtesse. Yeah. Ouh, ça va dégommer. Et bien là-dessus, les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Voilà, avec notre Titus équipé de son réacteur dorsal. Allez, c'était TRD qui vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao, peace. Portez-vous bien. Bisous. Rendez-vous à l'épisode 4.